Un garçon toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé. Toujours à se plaindre. Il est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi allait avec un autre garçon. Mais de quelle Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger son popotin. Ah d'accord, elle est revenue au camping. Oui, et ben toute seule. Elle a un nouveau copain, Jesse, qui s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il n'y a pas de chance. Mais bon, après tout, il l'a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu te souviens pas? Pourquoi je devrais? Rappelle-toi, l'année dernière, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boum, cette idiote Kevin a invité la Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient, elle lui a même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Au moins, nous, on est tranquille, pas de relation, pas de problème. Ça, c'est vrai, ça. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis. Oh, ben ça c'est sûr, quand c'est pas toi qui paye. Et puis c'est un incendie, tu t'en fous? T'es pas chez toi. Moi je lui dis toujours, je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout pas aider, si tu casses un truc, ça te retombe dessus, eh oui. Quand tu aides une fois, eh ben t'es piégée. Moi un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichon. Oh l'erreur. Bon, l'erreur. Si t'es à table, on me demande de découper le poulet, je dis « Excusez-moi, je ne suis pas cuistot. » Pareil, quand tu te donnes un tire-bouchon « Excusez-moi, je ne connais pas. » T'as raison, c'est un coup à te faire mal à la main. Déjà bien bon qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi, maintenant, quand je suis invitée, je ne fais plus de cadeaux, hein, ce n'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, quand même, tu sais, des biscuits. Ouais. Ah non, mais des bons, hein. Ceux qui sont présentés dans le coffret allongé. Ouais. En papier, là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah, ben, bien sûr. Je sais bien, les petits beurres. Voilà. Et pour la réparation des douches, vous venez quand? Je vous dis franchement, mon père en a marre d'attendre. Tu vas pas recommencer. Il me semblait que j'avais été claire avec cette Gigi. Non, mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? Arrête! Ne sois pas ridicule. Gigi est une amie de longue date. C'est pas parce que tu t'es fâchée l'an passé avec elle que je vais l'ignorer. Moi, je peux pas la supporter. Franchement, je vois pas ce que tu lui trouves à cette pouffe. Et je suis correcte. Arrête! On est en vacances. Profite! Et puis si tu veux pas avoir le camping est assez grand. Je te préviens, c'est elle ou c'est moi. J'en ai marre de passer après les autres. Si tu recommences, je vais voir ailleurs. Salut. Allez, te fâche pas, tu restes ma meilleure amie. Tiens, et tiens, le gros là. Tiens, regarde le mawashi guerrier là. Ha ha ha. C'est quoi ce jeu, loulou? Fracasse-moi, c'est un jeu hyper tactique. C'est un engagement de réflexe, de concentration et de maîtrise de soi. Ça consiste en quoi? Faut casser la gueule à l'autre. Oh, je peux jouer avec toi? Non, attends, je suis au 5e niveau, t'es débutante. Allez, loulou. Non. Laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok, prends la manette. T'es prête? Ok. Vas-y, choisis un personnage. Moi, je prends la fille. Ouais, prends la fille, ouais. T'es prête? Oui. Allez, c'est parti, tu vas voir. Je suis nulle, hein, excuse-moi, loulou. Ouais, c'est moi qui suis bon, c'est tout. Hé hey, hé, regarde, mate la béquille. Merde, bien joué ça. Ah, t'apprends vite, hein. Ah ah, comment je t'explose, dis donc, tiens ça là. Ouais, mais attends, comment t'as fait là le coup? Les deux points là et les deux trucs en même temps. Ah ouais? Tant de. C'est. Mais j'arrive à rien, c'est cette manette là, elles sont chiantes ces manettes là. Yes! Ouais, bah évidemment. Comment je t'ai étalé, dis? Vas-y, la revanche. Non, attends. Allez. Attends, non, écoute, ça fait 2 heures que je joue. J'ai mal au pouce, moi, je suis nulle. Ouais, c'est peut-être moi qui suis bonne, remarque, hein? Ouais, bah... Allez. Regarde, ils ont toujours accroché à Valentin, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les mecs, ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement, non, mais pour nous, si.
Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Ah, on n'a rien de moins, on en a même plutôt plus. Mais ce qu'on a en plus, c'est de trop. Qu'est-ce qui nous reproche, les mecs, qu'on est habillés à la mode? À la mode, oui, mais de quelle année? Ça compte pas, ça, l'apparence. Un mec, il juge pas là-dessus, il est plus intelligent que ça, non? Oui, n'empêche que l'autre fois, en boîte, il n'y en a pas un qui t'a adressé la parole. Dimanche, quand j'avais mis ma belle tenue? Oui, celle en velours orange avec ta chemise à jabot et tes chaussures à haut talon. Ben évidemment, c'était une soirée à thème, un peu carnaval, quoi. Et les mecs, ils venaient pas me parler, ils n'osaient pas, ils étaient impressionnés. Ah, ben faut dire que t'étais impressionnante. Et toi, t'en as eu beaucoup, ce mec? Non, mais c'est parce que je suis très difficile. Moi, je suis pas difficile et j'en ai pas eu beaucoup non plus. Et puis moi, quand je rencontre un garçon, j'ai un truc. Je lui fais sentir qu'il doit pas s'intéresser à moi. Ça marche? Ouais, il s'intéresse pas à moi. Hé, hey, regarde, Luzon, toujours accroché à Valentin. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les mecs, ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement, non, mais pour nous, si. Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? On a rien de moins. On a même plutôt plus, mais ce qu'on a de plus, c'est de trop. Qu'est-ce qui nous reproche, les mecs, on t'habille à la mode? À la mode, oui, mais de quelle année? Ça compte pas, ça, l'apparence. Un mec, il juge pas là-dessus. Il est plus intelligent que ça, non? Oui, n'empêche que l'autre fois, en boîte, il n'y en a pas un qui t'a adressé la parole. Dimanche? Quand j'avais mis ma belle tenue? Oui, oui, celle en velours orange, avec ta chemise à jabot et tes chaussures à haut talon. Bah évidemment, c'était une soirée à thème, un peu carnaval quoi. Les mecs, ils venaient pas me parler, ils n'osaient pas, ils étaient impressionnés. Ah bah ça, faut dire, t'étais impressionnante. Et toi, t'en avais beaucoup des mecs? Non, parce que je suis très difficile. Pourtant, moi, je suis pas difficile et j'en ai pas eu beaucoup non plus. Et puis moi, quand je rencontre un garçon, j'ai un truc. Je lui fais sentir qu'il doit pas s'intéresser à moi. Ça marche? Ouais, ouais, il s'intéresse pas à moi. Oh, t'as vu ça, comment elle regarde? Attends, regarde. Regarde, Louison. Toujours accroché à Valentin. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les filles, ça ne devrait pas être un problème pour nous. Bah, normalement, non, mais pour nous, si. Bah, qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Bah, on n'a rien de moins. On a même plutôt plus. Mais ce qu'on a en plus, c'est trop. Bah, qu'est-ce qu'elle nous reproche, les filles? Enfin, je sais pas, on est habillé à la mode. Bah oui, à la mode, mais de quelle année? Mais ça compte pas, ça, l'apparence. Une fille, elle juge pas là-dessus. Elle est plus intelligente que ça. Oui, n'empêche que l'autre soir en boîte, il n'y en a aucune qui t'adressait la parole. Dimanche, quand j'ai mis mon beau costume? Oui, celui avec ta patte d'éléphant, là, avec ta chemise à jabot et tes chaussures à haut talon. Ah, mais c'est normal, c'était une soirée à thème, un peu carnaval, quoi. Les filles, elles osaient pas me voir, ni me parler. Elles étaient impressionnées. Ah bah faut dire hein, que t'étais impressionnant. Et toi, t'en avais beaucoup de filles? Non, mais c'est parce que moi je suis très difficile. Bah pourtant, je suis pas difficile. Hein. J'en ai pas eu beaucoup non plus. Et puis moi, quand je rencontre une meuf, j'ai un truc. Ouais. Je lui fais sentir qu'elle doit pas s'intéresser à moi. Et ça marche? Ben oui, elle s'intéresse pas à moi. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Ah bah c'est sûr, tu profites mieux quand c'est pas toi qui paye. Et puis, s'il y a un incendie ou de la casse, tu t'en fous. C'est pas chez toi. Et puis, chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi je le dis à mes amis. Je vous préviens, je suis invitée, j'irai pas. Surtout pas aller. Eh, si tu casses un truc, ça te retourne dessus, eh oui. Quand t'as accepté d'aider une fois, bah t'es piégée. Ils abusent. Et bien sûr, moi, un jour... J'avais eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot de cornichon. Oh, l'erreur. Bon, l'erreur. D'ailleurs, ils ont eu l'idée dans le jardin. Ça va pas louper. Ils m'ont demandé de déplier une chaise. Non, mais faut savoir se faire respecter dès le départ. Hein. Moi, si à table on me demande de découper le poulet, je dis, excusez-moi, je suis pas cuisinier. Pareil, quand ils te donnent un tire-bouchon. Excusez-moi, je connais pas. T'as raison, c'est un coup assez exposé la main. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux. C'est pour ça qu'ils invitent. Ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. C'est pas apprécié. Ça sert à rien. Un jour, j'amène des gâteaux. Bon, hein, quand même, tu sais, des biscuits. Ouais. Non mais des bons, hein, ceux qui sont présentés dans des coffrets allongés. Ouais. En papier, là. Ouais. Mais tout au beurre. Ah bah bien sûr, je sais. Des petits beurres. Voilà. Ah, vivement le week-end. Ah, le mieux le week-end, c'est d'aller chez des amis quand on a les moyens. Oh, ben ça, c'est sûr.
Tu profites mieux quand c'est pas toi qui paye. Et puis s'il y a un incendie ou de la casse, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et puis chez les autres, tu te reposes. Moi d'ailleurs, je leur dis à mes amis. Je suis invité, je vous préviens, je ne fais rien. Surtout pas aider, si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Quand tu as accepté d'aider une fois, ben t'es piégé, ils abusent après. Moi un jour, j'ai eu le malheur d'ouvrir le couvercle d'un pot de cornichon. Oh l'horreur, l'horreur que t'as fait. Bon. L'erreur. D'ailleurs, juste après, dans le jardin, ils m'ont demandé de déplier la chaise. Oh, mais il faut se faire respecter dès le départ. Moi, si à table, on me demande de découper le poulet, je dis non, je ne suis pas cuisinier. Pareil pour le tire-bouchon. Excusez-moi, je ne connais pas. Ouais, t'as raison, c'est encore un coup à se casser la main. C'est déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de Boudou. C'est pour ça qu'ils t'invitent, parce qu'ils en ont marre de rester tout seuls dans leur trou. Moi, maintenant, je ne fais plus de cadeaux. Ça ne sert à rien. Ouais, t'as raison. Au moins, un jour, j'ai pris des gâteaux, mais des biscuits, tu vois. Ouais, ouais. Mais des bons, hein, qu'on présentait dans les paquets à manger. Ah oui, ouais, ouais. En papier, là. Ouais, ah oui, ouais. Mais tout au beurre. Ah, mais bien sûr, les petits beurres. Voilà. Tiens. Tiens. Tiens là, le gros. Tiens, ma wachi guerrier. C'est quoi ce jeu, hein? C'est Fracasmon. C'est un jeu hyper tactique. C'est un mélange de... Je sais pas comment te dire, c'est... Bon, bref, c'est hyper génial. Et ça consiste en quoi? Mais il faut casser la gueule à tout le monde. Moi, je peux jouer avec toi? Non, mais laisse-moi, tu me déconcentres. Je suis au 5e niveau et t'es qu'une débutante. Allez, où? Non. Laisse-moi jouer avec toi. Bon, ok. Bon, allez, prends la manette. T'es prête? Ok. Bon, allez, choisis un personnage, dépêche-toi. Moi, je prends la fille. Bon, allez, oui, prends la fille. T'es prête? Ouais. Ok, la partie va commencer, tu vas pleurer. Je suis nul, hein, excuse-moi, Lou. Ouais, c'est ça, c'est juste moi qui suis bon, après tout. Vas-y, regarde. Regarde la béquille que je vais te mettre. Regarde, Matt. Oh, tu vas pleurer. Merde! Et t'apprends vite! Ah, comment je t'explose, dis donc. Tiens, ça va. Ouais, mais comment t'as fait le coup? Les deux points et deux trucs en même temps. Ah, d'accord, ok. Mais j'arrive à rien, c'est cette manette, elle est pourrie, elle sent chiante. Yes. Oui, bah évidemment, hein. Comment je t'ai dit, vas-y, la revanche. Non, j'ai pas envie. Allez. Non, ça fait 2 heures que je joue. J'ai les pouces en compote, je les sens plus. Je suis nul maintenant. Ouais, c'est peut-être moi qui suis bonne remarque, hein. Ouais, c'est ça. Ah, allez. Non. J'en ai trop marre du collège. Je me suis pris un 3 quand la prof d'SVT, là. Ouais. Non, mais tu t'imagines, elle louche alors qu'elle a des lunettes. Tu sais pas si elle regarde toi ou celle de derrière. Ou celui. Mmh. Fais remarque que la SVT, c'est comme la techno, ça a pas trop de servir d'avis. Mais moi, j'étais super déçue. J'étais super déçue par la techno, par contre. En plus, le prof de techno, il pue sous les bras. Il faut qu'il achète 10 axes. Ouais. Mais le pire, c'est que en fait, il a ses sourcils qui sont en connexion avec ses cheveux. Ouais. Donc du coup, il faudrait qu'il s'achète un rasoir, en fait. Ouais. Mais le pire, c'est la principale. Ouais. Elle est tyrannique. Ouais. On n'a le droit à rien. Pas du peinture de genoux, pas des bardeurs. Pas de chewing-gum. Ouais. Le pire, c'est que t'imagines, on se fait choper par la principale dans un chewing-gum. Avec un chewing-gum, on va mourir. Ouais. Franchement, t'imagines, t'as deux techniques. Soit tu te caches, ou soit tu l'avales. Mais bon, après, t'es dégoûté parce que quand tu l'avales, c'est ton dernier. Ouais. Mais nous, on a une technique encore plus poussée. Dès quand t'as un pas irrégulier, parce qu'en fait, elle a une jambe raide, tu vois. Ouais. Genre, tu vois. Et ben, on l'avale ou. Voilà, pareil. Sauf quoi. Bon, après, il y a un gros point positif, c'est Monsieur Subra. Ouais. Bien sûr. Il est trop cool, ce prof. Mais il est trop beau, surtout. Non. Après, je trouve qu'il pète un peu plus haut que son cul, quand même. Ouais. Quand même. Parce que, tu sais, un jour, j'étais avec des amis, et il arrive vers nous, il nous dit. Oui.
ça te dirait de venir avec nous à l'UNSS Athlétisme et tout? Donc bien sûr, elles ont dit non parce que ça ne va même pas courir. Ouais. Voilà. Et après, il se retourne vers moi et tu sais pas ce qu'il me dit? Non. Toi, je te verrais bien au poids, dis donc. Je me suis décomposée, je suis redevenue poussière, je n'en pouvais plus. Hein. Moi, à ta place, je ne parlerai même plus le prof. Tu as remarqué, je ne peux pas trop, c'est mon prof de sport. Hein. Ouais. Après, remarque, on a une chance d'être dans ce collège. Ouais. Parce que si on n'est pas dans ce collège, ben, on ne serait pas au théâtre. Donc du coup, Sylvana, elle n'aurait pas pu nous parler de ce casting. Donc du coup, on ne serait pas en train de parler. Là. Ouais, donc on peut dire qu'on a une chance. Ouais. Ah, vivement le week-end. Ah bah oui, le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Ah bah c'est sûr, hein. Tu profites mieux quand c'est pas toi qui paye. Oui, et puis s'il y a un incendie ou de la casse, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et puis chez les autres, tu peux te reposer. Moi, je dis à mes amis, je vous préviens, je suis invitée, j'aiderai pas. Surtout pas aider, si tu casses un truc, ça te retombe dessus après. Et une fois que t'as accepté d'aider une fois, eh ben t'es piégé, ils abusent. Ah bien sûr. Moi, un jour, j'ai eu le malheur de dévisser le couvercle d'un pot à cornichon. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur. Bon, l'erreur. Ça a pas loupé. Après, dans le jardin, ils m'ont demandé de déplier une chaise. Mais faut se faire respecter dès le départ, hein. Moi, si à table, on me demande de découper le poulet, je dis « Excusez-moi, je ne suis pas cuisinier. » Pareil, quand ils te tendent un tire-bouchon, « Excusez-moi, je ne connais pas. » T'as raison, c'est un coup à t'exploser les mains. Déjà, bien beau qu'on vienne les voir dans leur village de bouseux. C'est pour ça qu'ils t'invitent. Parce qu'ils s'emmerdent dans leur trou. Alors moi, maintenant, quand je suis invitée, je fais plus de cadeaux. C'est pas apprécié, de toute façon. Pff, ça sert à rien. Bah, un jour, j'amène des gâteaux. Enfin, des biscuits, tu vois. Ouais. Mais des bons, hein. Ceux qui sont présentés, tu sais, dans le coffret allongé, là. Ouais. Pardon. En papier. Ouais. Tout au beurre. Ah oui, mais je sais bien, des petits beurres. Voilà. Regarde Luisan, toujours accroché à Valentin, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les mecs, ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement, non, mais pour nous aussi. Mais qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Ah, on a un de moins, on a même plutôt plus. Mais ce qu'on a en plus, c'est de trop. Mais qu'est-ce qu'ils nous reprochent, les mecs? On est pourtant habillés à la mode. À la mode, oui, mais de quelle année? Mais ça compte pas, ça, à l'apparence. Les mecs ne jugent pas sur ça. Je pense qu'ils sont plus intelligents que ça, non? Oui, n'empêche que l'autre fois, en boîte, il n'y a pas un qui t'adressait la parole. Dimanche, avec ma belle tenue? Oui, tu sais, salon velours orange, avec ta chemise à jabot et tes chaussures au talon. Mais bien évidemment. Bien évidemment, c'était une soirée à thème. Un peu carnaval. Puis ils n'osaient même pas me parler, ils étaient tellement impressionnés. Bah, faut dire que t'étais impressionnante. Et toi, t'en avais beaucoup de mecs? Non, mais c'est parce que je suis très difficile. Bon, moi je suis pas difficile, mais j'en ai pas eu beaucoup non plus. Après, moi, quand je rencontre un garçon, j'ai un truc. Je fais sentir qu'il ne doit pas s'intéresser à moi. Ça marche? Ouais, et il s'intéresse pas à moi. Bonjour monsieur, j'aurais voulu les horaires de train pour aller à Pau. Monsieur? Oui, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, je voudrais les horaires des trains pour aller dans la ville de Pau. Alors, Pau? Oui, c'est ça, ça s'écrit avec un P. Pau? Oui, comme ça s'écrit, pareil. Alors, Pau? Et oui, ben je suis pas arrivée moi. Alors, vous avez un départ gare d'Austerlitz 6h57, arrivée 15h23. Et ensuite, vous avez un départ 8h32, arrivée 17h46. Oui. Ensuite, 17h42, 19h05. Non. Moi, 19h05. Moi, je comprends. 13h20, 21h16, 17h02, 23h03. 18h40 et minuit 22. Oui, alors ces trains-là, c'est bien pour Pau? Oui, parce que vous m'avez demandé Pau, du coup, je vous donne Pau. Non, il n'y a pas de problème. Ils le sont directs? Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Quoi? Il y a un changement pour Strasbourg? Oui. De Paris à Pau? Oui, parce que sinon, vous filerez tout droit en Allemagne. Il y a des vedettes, hein, là. Il y a des vedettes. Il est marin, lui. C'est pas évident, tous les jours. Vous n'aurez pas de train qui partirait plus tôt que 6h57?
Si, j'en ai un qui part à 5h13 le matin. Ah, très bien. Mais qui arrive à 22h31 le soir. Mais il n'arrive pas avant les autres? Non, parce qu'il y a un changement à Rennes. Vous n'avez pas de train plus tard? Oui. J'ai des trains de nuit, oui, qui roulent la nuit. Oui, bien, c'est bien. Il y en a. Tant mieux. Ils roulent. Voilà, voilà. C'est la nuit. Je regrette, mais Jean-Claude, le directeur, est allé faire une course, mais pas de problème, je peux le remplacer. T'es Vinmila, c'est ça? Oui, oui, oui. Ah, mais tu es Benjamin, t'as l'habitude ici. Oui, oui, ça fait 3 ans que je viens dans cette colo. Ah, ah oui, Benjamin Chatin. Jean-Claude m'a dit qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, cette année, tu n'auras pas ton chalet habituel. Oui, j'ai bien vu. Et c'est pour ça que je viens, on m'a promis que je pouvais changer. Et que je pourrais avoir les clés du chalet numéro 5. Non, tu es au numéro 6, mais c'est exactement le même, pareil. Mais je m'en fous, moi. Moi, je veux le mobilhome numéro 5. Je veux les clés de ce mobilhome, moi. Ah non, je suis désolée, au mobilhome numéro 5, on l'a déjà attribué. Pas moyen de changer. Déjà attribué? Mais c'est... Il est où, Dirlo? Non, il est parti pour la journée, mais il sera là ce soir. Bon, alors écoute, moi, ça fait 3 ans qu'avec ma famille, on fait 800 km tous les mois de juillet pour venir en vacances ici, au chalet numéro 5. Je comprends, mais je peux rien faire, je t'assure. Très bien. Eh bien, je te charge d'expliquer à toute la colo que moi, je ne reste pas ici et que ma famille vient me chercher.